Cette wig rouge vient de Paris Manga, donc elle m'a pas coûté très cher, elle a coûté 15 euros. Donc voilà, Paris Manga, un salon à Paris. Ensuite, cette wig, c'est une abonnée qui me l'a offert, d'ailleurs dédicace à toi, merci beaucoup, elle est très jolie, je l'adore. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a eue, donc voilà. Celle-ci est celle de Miku, celle que vous connaissez absolument tous. Je l'ai eue sur l'Email Wig, donc un très bon site de perruques, je vous le conseille vraiment. Cette perruque, je l'ai eue à Paris Manga, je l'avais achetée sur un petit coup de tête, je l'aimais pas trop, mais je me suis attachée à elle, je la trouve plutôt cute, donc voilà, elle est un peu verte. Ensuite, celle-là, celle que vous connaissez aussi, c'est celle de Harley Quinn, bien sûr que j'ai enlevé les couettes pour la refaire, donc la voici, elle n'est pas dans très bon état, je l'ai eue sur AliExpress. Celle-ci est celle de Shiro de No Game No Life, je l'ai eue sur l'Email Week, donc il y a une ponytail, c'est une autre version de Shiro. Celle-ci est une wig que j'avais achetée sur Wish, donc c'est une de mes premières perruques, donc voilà. Celle-ci est une perruque que j'ai eue à Paris Manga dans un sac surprise, donc je ne saurais vous dire le prix, mais sinon je l'ai eue à Paris Manga. Celle-ci est celle de Kotori que j'ai eue aussi sur l'Email Week qui n'est pas en très bon état non plus malheureusement. Ça s'abîme. Celle-ci est une wig que j'avais eue à Paris Manga pour ma première Paris Manga, donc elle commence à se faire vieille. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue récemment donc à Japan Expo. Donc voilà, il y a aussi deux ponytails. Celle-ci, je l'ai eue également à Japan Expo, que j'ai bien sûr stylisée pour ressembler à la wig de Iya des Vocaloid. Celle-ci est une wig que mon copain m'a offert qui ne me va absolument pas, mais ce que j'aime c'est qu'il y a des petites oreilles collées à la wig et je trouve ça trop kiki, donc je pense que je vais la lisser. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a eu malheureusement. Celle-ci est une wig que j'ai eu aussi à Paris Manga, donc j'achète absolument tout à Paris Manga, donc voilà, elle est bleue. Celle-ci, c'est une perruque que mon copain m'a offert, donc je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il a eu, il me semble que c'est Cdiscount. Celle-ci vient de l'Email Wig, donc c'est celle de Kana. C'est moi qui a fait les petites boules, je tiens à préciser. Ce n'est pas vendu avec. Celle-ci est une wig de je ne sais plus quel personnage, mais c'est mon copain qui me l'a offert. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a eu malheureusement. Donc voilà, celles-ci sont un peu plus chères, les deux que je vais vous montrer là. Celle-ci et l'autre. Vous allez voir. Elles sont de très bonne qualité, je tiens à le préciser. Voilà. Celle-ci est la blonde, ce sont des perruques qui ont coûté assez cher, donc qui sont de très très bonne qualité, elles sont très belles. Bon, je ne l'avais pas coiffée, donc voilà, je m'en excuse. Je m'en suis servie hier. Celle-ci est la perruque de Harry Star Guardian, donc je l'ai eue sur l'Email Wig, très belle wig, moi j'adore. Celle-ci, ceci, ce sont ces espèces de... je sais même pas pour... ces oreilles en fait, limite, c'est des oreilles de renard. Donc je montre comment les fixer, donc c'est des barrettes, vous fixez juste au fil de la perruque pour que ça tienne bien. Vous appuyez et voilà, c'est clipsé, donc c'est pas mal. Cette wig vient de Wish, donc c'est celle de Kaneki de Tokyo Ghoul. Donc en même temps, je vous montre le masque de Tokyo Ghoul que j'ai eu aussi sur Wish, où il y a aussi le cache-œil, etc. Et celle-ci, c'est la perruque de Yoshino, la dernière que j'ai reçue de l'Email Wig. Donc voilà. Donc j'ai oublié des wigs, j'en suis vraiment désolée. J'ai zappé quelques wigs.
Donc je vous referai une autre vidéo. Là, je vous montre surtout à la fin et vers le milieu les nouvelles que j'ai reçues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la troisième fois que je fais ce genre de vidéo et je vois que ça plaît à pas mal de personnes. J'essaierai de mettre le plus de liens possible dans la description. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous !